Hey, bonjour mes petits Bowser, on est toujours en intersaison du Voxel, donc on continue sur les compilations. Et cette fois, c'est le making-of, puisque comme un gros con, je me suis lancé sur l'épisodique. Bien entendu, les making-of, il n'y en a qu'une fois par an, donc moi-même, j'oublie où en est l'histoire, ça n'avait aucun intérêt. Mais on a quand même réussi à faire un arc narratif complet, que vous allez pouvoir découvrir totalement assemblé maintenant. Mais en fait, c'est chiant, Retro Gaming. L'image est dégueu, le son est crado. Et en plus, ça coûte un bras, tiens, je t'interromps parce que ce que tu dis n'est pas intéressant. Page 4, il y a un article sur les coulisses du Voxel. Qu'est-ce que ça peut me foutre? Rubrique Science. Un mec a fait une analyse de nos coulisses. Elle serait plus mystérieuse que le triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes. C'est sérieux. Le chercheur se demande si on est apte à les gérer. Par même de raser la zone par précaution. Quoi? Non mais il est fou lui. C'est sur lui qu'on va raser des zones. Ce sera peut-être obligé. C'est qu'un conseiller scientifique, mais il suffit qu'un connard de politique se mette à flipper. Et boum! Non mais dans ce cas, il faut leur prouver que c'est sans danger. Eh ben voilà, je vais te filmer aller dans les coulisses. Tu vas ressortir indemne, on aura la preuve parfaite. Ah bah ouais. Ah bah non. Allez, merde, ça fait une heure que ça tourne là, moi j'ai plus avoir de cassette, alors magne-toi. Ah oui, mais est-ce que c'est sécurisé? Oui, oui, c'est sécurisé, bah... Faut bien qu'on teste, donc vas-y. Mais j'ai mal partout! Mais t'es con, fallait pas dire ça! Mais voilà, c'est foutu maintenant. Il a raison, l'autre con du journal. On peut pas gérer ça. Faut partir. Je partirai pas, t'entends? C'est chez nous ici, c'est notre matrice conceptuelle. Oui, bah t'as vu ce qu'elle m'a fait, ta Matrix? Moi je peux pas rester. Hé! Hey. On va s'en occuper, on va arranger ça, ok? Ensemble. Je savais que je l'avais mis dans mon tiroir à ampoule, mais j'ai retrouvé mon tiroir à ampoule dans le frigo. Pourquoi je ne suis pas étonné? Va falloir s'accroupir, c'est là que je m'étais engouffré. Ne pète pas surtout. Eh, c'est des stalactites ou c'est des stalagmites? Peut-être qu'on s'en fout, là. Hé hey, c'est là que j'avais commencé à avoir des picotements dans le bas du dos. Ok. Qu'est-ce que vous voulez? C'est lui que j'avais entendu. Hé hey, oh, vous m'enlevez ma queue, là, hein? Ça vous sert à quoi de vous pourrir? Ils vont venir tout raser ici, vous aurez l'air malin. Nous, au moins, on vous permet d'être tranquille. Ça fait sens. D'accord. Ah oui. Merci, monsieur. Ou madame, enfin je sais pas trop. Je peux vous enlever ça, mais vous devrez faire quelque chose pour moi. Ah oui, forcément, sinon c'est pas rigolo. Allez, dites. Vous allez toucher votre cul et sentir votre doigt... deux fois. Deux fois? Comment ça, vous? Seule votre solidarité me donnera le pouvoir d'annuler le sort. Putain, il nous prend pour des cons, là. C'est des conneries, ça. Mais laisse, fais ce qu'il te dit, aussi. Mais il se moque de nous, c'est du baratin. Pourquoi vous nous demandez ça? Il veut que je lui enlève sa queue ou pas? Mais les tarés, ce dinosaure, moi, je suis humilié. Moi, je suis tranquille, je suis comme avant. Ah, mais on va toujours se faire expulser. On n'a pas le choix. On est obligé de retourner voir ce vicelard de dinosaure. Y'a que lui qui peut nous aider à prouver qu'il n'y a pas de danger. Allez, viens. Oui, bah ça, on verra une prochaine fois. Oh non, 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 c'est pas le moment de me lâcher, là. Je suis complètement perdu, il faut que tu m'aides. Oh, ça va, je suis en train de jouer, là. S'il te plaît, je te fais la vaisselle pendant un mois. Bon ok, ça ressemble à quoi là où t'es? Je sais pas, y'a du tissu partout là, on dirait qu'ils habitent dans un magasin de textiles et jeux vidéo. Vous venez du sentier ou quoi? C'est n'importe quoi les gars. Ok, non mais en vrai, concrètement ça ressemble à quoi? Bah, je suis arrivé à une sorte de bifurcation, y'a deux chemins, et celui qui est à droite est hyper sombre. Ah oui, je vois. Il faut prendre à droite justement. Quoi? Tu prends à droite, et après l'obscurité, au carrefour tu prendras à gauche. T'es sûr, hein? Tu me fais pas un coup de pute? Non. Va falloir me faire confiance, hein.
Bon, ok, j'y vais. Hello. Hello. Oh, yes. Tu t'es fait mal au pied? Oh, j'en peux plus. Les filles, là, j'en peux plus. J'abandonne. Ah non, tu as intérêt à nous faire plaisir. Sinon, on te dénonce à Bowser. Et il cramera ton petit cul tout blanc. Mais Bowser, on est embrouillé avec lui, de toute façon. Mais justement, si tu continues à nous satisfaire, on pourra le convaincre de vous aider. Et vous comprenez pas, là. Là, je suis à sec, j'ai le syndrome des raisins secs, ça s'appelle. À moins que... Hé hey. Mais je crois que je devais t'aider à sortir d'ici. Mais t'inquiète, je vais te montrer un truc trop marrant. Bon, bah voilà, la chair fraîche. Bonjour, Pablos. J'ai calculé, normalement, en alternant bien, on doit pouvoir tenir. Aujourd'hui, c'est lui. Quoi? Oui. Chose promise, chose due. Oh putain, c'est trop cool! Là, c'est sûr, on peut rester chez nous. Wouhou, ouais. Wouhou. Je saute dessus. Bon bah voilà, ça vous fait une sorte de court-métrage du voxel, c'est assez sympa au final. En tout cas, nous, pour les prochains making-of, on va repartir sur des intros procédurales indépendantes. Vous n'hésitez pas d'ailleurs à aller sur le site, hein, levoxel.com/making-of, si vous voulez voir les anciens making-of du voxel. Nous, on se retrouve mi-septembre à peu près pour un live sur Stellar Overload. Ça, c'est un projet qui nous tient à cœur, qu'on suit RPG, exploration, construction. C'est en développement, mais on sent qu'il y a un gros potentiel derrière. Et je vous dis à bientôt. Toujours l'intersaison du voxel, donc on... Flottement arithmétique. Du voxel, c'est donc là. On continue. Bowser, on est toujours... Merde. Qu'est-ce qui se passe? Pétarade. Je crois que ça va. Les jeux vis, des hauts, les jeux vis. Chut. Ça sent la bouche.